J'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. Bonjour YouTube. Results matter and mistakes will be costly. It won't be easy, but if you want to become the ultimate driver, you'll need to earn it every step of the way. Get out there and prove yourself. Bon alors non, bonjour YouTube. Oui, alors on reprend là où on s'en est arrêté. To progress, you'll need to either upgrade your current car or buy new cars to meet the various entry requirements. Oui, voilà, donc en fait, on s'était arrêté sur un problème de personnalisation de véhicule. J'ai bataillé comme un cono pendant à peu près un quart d'heure, ça ne fonctionnait toujours pas. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé devant... Enfin, en fait, j'ai lancé le jeu, je me suis retrouvé devant la voiture, qui n'était pas personnalisée. Et, de fait, au lieu d'appuyer sur croix pour dire « Vas-y, je sélectionne cette merde », parce que même Vanilla, la voiture constructeur, ça ne marchait pas. La musique est forte. Comment on change ? Au secours. Mais du coup, j'ai fait rond pour bac. Et voilà, ça s'est lancé. Donc, objectif de carrière. Ok. Bon, tout ça, on va pas regarder. On va pas regarder, ça va sûrement tomber tout seul. Par contre, il y a moyen de baisser le son du jeu ? D'accord, faut dépenser des sous pour débloquer les épreuves. D'accord. Sur invitation. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 0 sur 48, on n'a pas d'invitation. On n'a pas de défi. Très bien. Bon, bah du coup, on a la voiture vanille, hein. Mais c'est pas grave. To unlock championships and new tours, complete the career objectives in the individual events. Ok. D'accord, donc on a des objectifs bonus et tout ça pour l'XP. Donc je suppose qu'on peut finir la course sans valider tous les objectifs bonus et on peut refaire la course du coup pour essayer d'avoir les bonus d'XP et donc claquer l'XP. Dans diverses choses dans le jeu. Donc la rejouabilité est là. Donc tout ça, on ne peut pas pour l'instant. Ah merde, d'origine japonaise. D'accord, donc tout ça, ça va être avec des voitures d'origine japonaise. Piste E classique, ok, donc là on a le choix. Et piste E spéciale, je vois rallye Mustang. Donc il va nous falloir Mustang sûrement. D'accord, donc on a retour aux années 90. Bah normalement ma voiture passe. Ça. Météo d'Eiffel, ok. Très bien. Et ben nuit à Shanghai. C'est la première qu'on nous propose. This is going to be your first career race with your own wheels. It's for real now. So take a quick look at the event details and objectives. Then hit race to dive into the action. Super. Et là. Et là. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne? Attendez, on fait l'expérience. Le mec a rien compris. Ok. On va y arriver, je vous jure qu'on va y arriver. C'est bon, maintenant j'ai le coup de main. C'est bon, c'est la même couleur. Oui. Alors, est-ce que maintenant ça va le faire? Non, parce que sinon, si ça fonctionne pas, on sait. Voilà, on a. Mais là, normalement, ça a dû save. Ça a dû save qu'on a débloqué cette intro et tout. Donc, même si on relance, bon, au pire. Merci à Nico47 pour le follow. On va y arriver. On va arriver à jouer au jeu. Bon, pas longtemps parce qu'on a perdu du temps avec ces conneries et que bon, voilà. Merde.
Les jantes. Non mais voilà, je sais ce que je veux maintenant. C'est l'avantage d'avoir fait ça pendant 1000 ans. Donc les pneus, non. Et là, si je me barre... Et si je me barre, c'est bon, ça fonctionne. Monter dans la voiture. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. J'ai réussi à guaquer le jeu. Incroyable. Alors du coup, terminer la course. 5 dépassements loyaux en une seconde. Maîtriser 5 virages. Ok. Alors, faites monter le niveau d'XP de vos voitures, vous offrira des réductions sur les éléments lorsque vous achetez des améliorations. Ok, très bien. Ah oui, donc en fait, on peut acheter des trucs pour nos bagnoles pour améliorer les ou modifier les performances. L'indice de performance maximale est une mesure qui indique la compétitivité d'une voiture. D'accord, ok. Donc là, en fait, ma voiture est plafonnée quand même à un certain level de personnalisation. Donc peut-être que la Honda Civic était un meilleur choix. Bon, c'est pas grave. Et c'est de nuit. Comment on allume les phares déjà? C'est triangle? Je crois que c'est triangle. Ça va être terrible. Mais il y en a plein qui ont des Honda Civic. C'était le meilleur choix, la Honda Civic. En plus, il y a la full ligne droite. Oh là là. Difficulté. Paramètres IA. Non, moyen. Non, mais c'est bien. Ah, et du coup, on a plus d'XP en fonction des levels et tout. Oh. Logique. Marqueur de frein uniquement. Non. Et comment ça se passe du coup? Marqueur de frein, c'est les petites lignes? Ah, et on aurait plus d'XP si on... Bon, en vrai, pour découvrir, je pense que je vais mettre complet pour l'instant. Et peut-être que plus tard, je me chaufferai, je mettrai juste les marqueurs de frein. On va mettre complet pour l'instant, on va laisser comme ça. C'est bien. Non mais c'est bien, vas-y, on joue. On joue au jeu. Bah c'est vrai que je suis au volant droit du coup maintenant. Oh là là. Non, il y a deux tours. Hein. Le problème, c'est que j'ai des Honda Civic devant qui ont une meilleure vitesse de pointe. J'ai bien compris. Non, mais le problème, c'est qu'ils sont tous là, quoi. C'est chiant. Mais y'a que moi qui ai une Honda Civic dans... Dans le lot. Ok, j'ai fait les dépassements loyaux. Au secours. Ah non, l'erreur. Ah l'erreur. L'erreur, je supporte pas ces vues. En tête de secteur. Alors j'ai 0% de maîtriser 3 virages. Hein. Au pire, on pourra la refaire pour s'entraîner. Parce qu'au début, ça va être ça. Hein. On va pouvoir s'entraîner. Alors moi, j'aimais bien le système du 3. Enfin, du projet Cars 1, justement. Où justement, fallait. Au secours. Quoi? Oh non, t'as invalidé, je suis deg!
J'aimais bien le système du 1 où justement fallait, il y avait un délire saisonnier, on faisait la course, on pouvait pas refaire quoi. C'était si on chie, on chie. Je trouvais ça rigolo. Bon, j'aurais bien voulu les voir en français, mais bon, c'est pas grave. Je comprends à peu près ce qu'il me dit, hein, mais je l'écoute qu'à moitié, je suis concentré sur ce qui se passe devant moi. Par contre, j'ai une vue très rapprochée, j'ai l'impression d'être dans un siège de Clio, très relevé, en mode mamie, quoi. Oh, l'erreur. Ça va, tout va bien. Moi, bon, j'ai les bonus, j'ai... Pour l'instant, tous les... tous les objectifs. Ah, merci pour le follow. J'arrive après. J'ai le mec en pleine course, il écoute ça. Voilà, merci pour le follow. Au secours. Bon, ça se passe plutôt bien, hein. Merci pour le follow. Merci à Wellman pour le follow. Merci à l'Alien Maxence. Et merci à Super Pro Studio pour le follow aussi. Ah, merci pour le raid. Alors je sais pas pourquoi mes notifs de raid elles fonctionnent pas. Putain, elle est rigolote. Ouais, ça y est. C'est Fast and Furious Tokyo Drift. Je commence à drifter dans tous les sens. Ah, faut que je m'habitue au volant à droite. Ça va, on est bien. On est bien. Eh, franchement, on est bien. Regardez cet intérieur incroyable. Merci à Super Pro Studio pour le raid. Merci beaucoup. Incroyable. Et en vrai, premier test de la bagnole, je me démerde. Incroyable. Et on a eu tous les défis d'XP. Quel charisme! Et du coup, on peut améliorer la bagnole. C'est incroyable. C'est ça, à l'époque, dans Project Cars 1, on ne pouvait pas améliorer les voitures. On pouvait vite fait les régler, tout ça, en fonction de nos préférences, mais on ne pouvait pas les tuner. Hein? Non, mais c'est bon, c'est fait. Oh là là, bah, c'est quasiment que de la full ligne droite. Je vous déteste. Pouette, pouette. Vas-y, on fait ça. In Hot Lap, the aim is to set your best time over one lap. Racing against yours and others' ghosts will help you find those extra milliseconds. Penalties will void your lap time, so stay focused, race clean, and find the quickest lines. Très bien. Très bien, Micheline. Du coup, le temps du tour est de 1,20. Ok, donc en gros, faut faire mieux que 1,22 au tour pour avoir tous les bonus d'XP, quoi. Alors par contre, pour les upgrades de bagnole, j'ai pas été initié par le jeu. J'ai loupé un follow ou pas? Non. Non mais c'est la hype. Et en vrai, je le trouve très très maniable pour l'instant. J'avais un peu peur. Mais en vrai... Bon, ah, vas-y, c'est bon, on va jouer au jeu. Ah oui, là, c'est vraiment que du chrono, quoi. Ok. Il y a vraiment personne pour m'emmerder. Ok, j'ai des poils de chat partout, c'est insupportable. Je suis en train d'en bouffer, d'ailleurs. C'est un plaisir. Allez, la course. Oula. Mais c'est le même.
Non, c'est pas le même. Ah oui, d'accord. Alors, je sais pas si le drift était la meilleure option pour l'optimisation de la vitesse. Non, mais attends, mais le jeu me dit de freiner. C'est insupportable. On va jouer sur le frein moteur. Hein. Ouh. Pas loin de la pénalité, ça. Bah oui, mais évidemment. Kiki qui fait n'importe quoi. Je teste des trucs, hein. On voulait pas. Non mais oui, non mais ouais, voilà, Vin Diesel. Hein. Il y a plus de Vin que de Diesel là-dedans. Hein. Ah mais en fait, le jeu me dit de freiner, mais c'est pas clair. Bah ouais, tendu tour invalide. Mais oui, tendu tour invalide, putain. Et j'ai fait 1-20. Échec. Ta vie est nulle. C'est bon. J'ai compris. Non mais c'est pas clair les indicateurs de freinage. Parce qu'ils te demandent de freiner, mais c'est pas comme avant avec les lignes. Moi ça j'aimais bien. Parce que là, typiquement, il me demande de freiner, mais on s'emmerde, quoi. Voilà. Et là, en vrai, j'ai optimisé la vitesse. Ah, c'est bon. Là, le jeu me dit de freiner. On va peut-être pas réitérer de bouffer un mur. Et ben, je suis très satisfait de cette Mitsu pour l'instant. Merde, quel con! Ça va que j'étais en montée. Bah là typiquement le jeu m'a dit de freiner mais en fait j'aurais pu bourrer vachement plus quoi. J'aimais bien le système d'avant avec les lignes où il te disait par rapport à ta vitesse de que quand c'était en rouge que t'allais beaucoup trop vite ou en jaune t'étais presque bien. Un 18. J'ai fait 2 secondes de mieux sans me prendre de mur. Non mais c'est bien. C'est bien. Full XP! Incroyable. Bon, par contre, les upgrades de voiture, je confirme que c'est pas clair. Parce qu'à un moment donné, ça se trouve, je vais faire une course et je vais me faire défoncer. Oui, bon, ça c'est fait. Ok, au cœur de. Banok Brae. Oh, je vais me faire striker, c'est sûr. Pouette. Je vais me faire striker pour les musiques, c'est sûr. Vitesse de pointe de 120 miles par heure. Ok, alors je ne sais même pas si cette voiture peut les atteindre. Sûrement. Dépassement loyaux. 8 dépassements loyaux en 2... En... Combien? En 2 secondes? Ou en 2 minutes. Non, c'est 2 minutes, ils ont craqué. Parce que 8 dépassements en 2 secondes, ça veut dire qu'ils sont tous à l'arrêt et que moi je suis à 200. Maîtriser 5 virages. Ok.
Bah, pour l'instant, franchement, très sympa. Bon, au niveau des aides à la conduite et tout, on y est allé très très soft. Et franchement, c'est pile le juste milieu que moi j'aime bien. En plus, je joue à la manette. Parce que bon, je jouerais au volant encore, ce serait différent. J'aurai un meilleur contrôle de mes directions. Oh, mais il a l'air bien sympa ce circuit. Ah, il y a de la Honda Civic. Bah non, il y a que de la Honda Civic. Au secours. Pourquoi je dis ah, il y a de la Honda Civic. Oh, mais là, en vitesse de pointe, ils vont m'arracher. Il n'y a qu'un seul tour. Et ça lui est super prod. Bon là, dépassement oui, c'est sûr. Par contre, passe tes rapports, connard. Ouais, non, mais s'il me fonce dedans. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais quel enfer! Et c'est le Wellman. Ah oui, c'est dommage pour le follow only, plus 10 minutes, mais ça évite les connards, quoi. C'est bon, quand t'as un mec qui débarque sur ton stream juste pour te saboter, juste pour dire que ce que tu fais c'est de la merde, ou pour te spoiler avant de se barrer parce qu'il est content de sa connerie, bon bah voilà, c'est chiant. Moi je suis là pour le plaisir avant tout quoi. Non! Donc c'est pas vraiment dommage en fait. Parce que pour proposer du let's play depuis déjà plus de 3 ans, je peux te dire que des mecs qui débarquent juste pour foutre leur merde, j'en ai vu. Bah mais le problème c'est que oui c'est facile de dire oui je le dégage juste. Mais le problème c'est que s'ils me spoilent un jeu qui dure genre je sais pas, plus de 50 heures de jeu, un jeu scénaristique et tout, parce que évidemment je fais pas que les jeux de bagnole. Hein. Si je me lance sur God of War, que j'ai payé 70 balles et que le mec me spoil alors que je viens à peine de commencer le jeu, bon bah. Walou quoi. Donc je perds mon plaisir et je perds mon argent. Donc voilà. Généralement, les 10 minutes de follow only. Avant d'accéder au chat, ça en dissuade plus d'un d'être des gros casse-couilles. Bon, en tout cas, ça se passe bien. Hein. Je raconte ma vie et ça va, je vis bien. Non ? Ben voilà, j'ai ouvert ma gueule. Bon ça va, hein. Ça fait 3 ans et demi que je fais ça. Mais du coup j'ai pas les déplacements loyaux. Et oui ça m'arrive, ça m'arrive souvent des gens qui gâchent mon stream. Bah non, vu que y a cette condition là pour accéder au chat. Mais avant ça oui. Bon, je vais continuer au cas où pour save, mais on va la recommencer pour les dépassements loyaux. Je vais voir si j'arrive à le faire. Mais en fait, les dépassements loyaux, c'est juste pour le départ.
Parce que au-delà du départ, on les a tous dépassés. Et, bon, on va la refaire. Le circuit est cool en vrai. J'aime beaucoup. Donc on va essayer de temporiser. On va la jouer propre. Allez, on le refait. Ah oui, les déplacements loyaux, c'est juste dépasser sans rentrer dans les gens, genre proprement, ça j'avais bien compris. Mais faut en faire 8 quoi. Et bon, on n'est pas non plus 40 dans la course. Mais bon, au-delà de, des gens qui me gâchent, comme tu l'as, comme je te cite, hein, gâchent mon stream, c'est pas juste le stream en fait, c'est le contenu, c'est l'engagement que j'ai moi dans le contenu, que ce que je veux proposer, tout ça. Des connards qui passent, même qui follow, qui attendent 10 minutes et qui au bout de 2 jours se comportent comme des enculés sur mon stream, ça j'ai l'habitude. Ça m'arrive assez souvent, enfin pas souvent, mais ça m'arrive assez souvent pour que je m'y sois habitué et que je sache comment gérer la chose. Mais par contre, qu'on vienne me spoiler et qu'on vienne me saboter systématiquement, ça non. Parce que je suis un petit streamer, petit caster, et donc forcément, je n'attire pas forcément au premier plan le respect, et donc les gens auront plus facilement de tendance à manquer de respect, à manquer de respect à ce que je fais ou à ce que j'essaye de faire. Et ça, c'est chiant. Bon, alors, mais est-ce qu'au départ, ça c'est considéré comme un dépassement loyal? Bon, de toute façon, voilà. Ah, ils me dépassent tous, très bien. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Non, parce qu'ils roulent tous comme des grands-mères au fond. Ah bah super. Qu'est-ce que ce soir, il a vite compris qu'il devrait remettre les pieds sur terre avec moi, sinon je banne dev. Bah oui, mais le problème c'est que si tu fais genre un jeu à scénario, ben il fait ça une première fois et c'est mort définitivement en fait. C'est ça quoi. Autant sur un jeu de bagnole, bon, il y en a un qui vient faire l'américain, le pilote, en mode ouais, ce que tu fais c'est nul. Bon bah oui, très bien. Tu lui mets une petite fessée et soit ça repart pas. Mais dans l'ensemble, là on va dire qu'on est sur un let's play secondaire. Sur un let's play type principal, je sais pas, je dis God of War comme exemple parce que bon voilà. Tout le monde connaît God of War. Bah voilà. Tu sais pareil, t'as tous ceux qui lisent pas les règles de chat. Alors si je dois passer mon temps à faire la police dans le chat alors que j'essaie juste de proposer un truc qui me fait plaisir, où j'ai investi beaucoup de temps et mine de rien de l'argent, ben c'est chiant, je perds, ça perd toute sa saveur. Bah ouais, mais t'as invalidé ma bite. Bon, c'est pas grave. Non mais vous êtes souvent, hein, vous êtes beaucoup à me poser la question du pourquoi du comment. Mais déjà bon, de streamer à streamer, c'est bon, tu m'arrêtes donc je suppose que tu streamais, hein. Quand tu vas dans les options de justement de que tu paramètres ton stream et tout, les restrictions etc etc, tu verras que le 10 minutes une fois avoir follow pour accéder au chat, c'est le réglage le plus populaire, le plus choisi et opté par
la plupart des streamers. Alors les gros streamers non évidemment, parce que eux ils ont une commu, des modos et compagnie. Mais pour les petits voire moyens streamers, à long terme c'est le truc le plus opti à faire pour pérenniser un peu ton stream quoi. Ah si, j'en ai des modos. Mais bon, mes modos, ils ont autre chose à foutre que d'être tout le temps là sur mes streams. Si, j'ai des modos. Mais j'en ai un, bon... 90% de sa vie, c'est des problèmes. Donc il a autre chose à penser que d'aller sur Twitch. J'en ai un autre, bon, il est très gentil, c'est mon viewer le plus régulier, mais à chaque fois qu'il passe, il fait coucou et puis il se barre. Je peux pas désigner n'importe qui en modo. C'est ça aussi. Alors on va éviter de faire un tête à queue comme tout à l'heure. Alors oui, il est utilisé par les streamers moyens justement. Les petits c'est néfaste, sauf quand tu joues à des jeux scénaristiques. Ah, et vu que je joue à 85% du temps je dirais à des jeux scénaristiques, eh bien voilà. Je ne passe pas ma vie sur sur Fortnite, donc forcément. Encore une fois, je fais ça pour mon plaisir. Donc je joue aux jeux qui me font plaisir, avant tout. Et donc, les jeux solo à scénario, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc c'est pas forcément ce qui marche sur Twitch, mais si je devais faire un truc qui marche, je ne serais pas sur Twitch. Je ne ferais pas de stream du tout d'ailleurs. Désactive-le pour les 15 autres. Ouais. Le peu de fois que j'ai essayé, bon. J'ai essayé, hein, déjà. Hein. Mais voilà. Encore une fois, ça fait 3 ans et demi que je fais ça. Bon, pas du stream, hein, mais le stream, ça fait... 2 ans et demi que je fais ça. Bon, pas sur Twitch, hein, mais... Sur Twitch, ça fait quoi? Ça fait... 1 an? Oui, ça fait 1 an. Sur Twitch. Ouais, mais moi aussi, à l'époque, hein, mon modo, il... Moi aussi à l'époque mon modo il me suivait tout le temps partout et il venait tout le temps me voir et tout, il passait des heures sur mon stream. Mais la vie fait que, voilà, des fois hein, il y a des passes comme ça. Et ton modo peut pas non plus prévoir que tel ou tel viewer va te spoiler ou va t'insulter etc etc et c'est chiant quand même. C'est chiant. Mais effectivement, comme l'a si bien dit Wellman, c'est mon stream donc c'est moi le roi. C'est vrai. Comme disait Fanta, c'est pas toi qui décide. Bon, et mine de rien, pour revenir sur le jeu, parce que bon, finalement, voilà. J'ai même pas regardé les conditions d'XP. Voilà, tour invadi des super. Je peux voir les conditions en fait? Non, je vais quitter pour relancer parce que j'ai pas regardé, parce que du coup on parle et j'ai pas fait gaffe. Mais pour revenir au jeu, eh ben, je trouve que le jeu est cool.
Ah, mais il y a deux courses, d'accord. Les monos peuvent faire en sorte de voir les messages avant les autres, genre il y a un mode qui te permet de faire vérifier les messages avant leur sortie en quelque sorte. Ouais, enfin c'est, je pense, encore plus contraignant et plus frustrant pour les viewers du coup que juste d'attendre 10 minutes après avoir follow. Donc histoire d'avoir bien le temps de lire les règles de chat et de prendre le temps d'absorber pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pas? Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime vraiment? Enfin, est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que j'aime pas? Je pense qu'au-delà de cette frustration de 10 minutes, les gens ont déjà le temps d'avoir pris un mindset de se dire « Ouais, c'est fait pour moi » ou « Non, c'est chiant, je me barre ». Plutôt que systématiquement, dès que t'envoies un message, ça passe à la douane et t'attends X temps que ça soit validé ou quoi. Je pense que ce paramètre-là peut être cool dans une certaine envergure, mais il doit être plus frustrant quand même qu'autre chose. Et admettons, ton modo, s'il vient, qui t'accompagne, et qu'admettons, il veut aussi partager une expérience, parce que ton modo, c'est pas juste un mec que tu payes à juste piquer, c'est peut-être quelqu'un, et c'est aussi surtout, je pense, quelqu'un à petite échelle, qui vient kiffer le contenu avant tout, parce que généralement, le modo à basse échelle, bah, c'est quelqu'un qui vient régulièrement et qui kiffe, avec qui t'as des interactions, parce qu'il a de l'intérêt pour ton stream, et pas juste parce qu'il vient, parce qu'il a envie d'être modo. Ben, je veux dire, le modo, il veut kiffer aussi, tu vois. Donc, si, admettons, le modo, il doit fliquer des spoils en permanence et compagnie, ben, je veux dire, le modo, du coup, lui, il perd une grande partie de son intérêt à être sur le stream. Si, admettons, il veut kiffer un contenu, voilà, quel qu'il soit. Et je préfère frustrer des gens random qui passent par là et qui chercheraient pas vraiment à savoir ce que je fais, pourquoi, comment, plutôt qu'un mec justement qui m'est fidèle et qui vient régulièrement, enfin un mec ou une nana d'ailleurs, qui vient régulièrement pour profiter de mon contenu avant tout. Donc le flicage instant par les modos, oui. Mais ça rentre pas trop dans ma façon de voir le truc, quoi. Bon, alors du coup là il y a deux courses consécutives à faire, donc j'ai pas vraiment le droit de chier. Au secours. Attends, mais il a une skyline, lui? Comment ça? Ouais, non, mais c'est chiant. Ben voilà, temps à valider ma bite. Non, mais j'aimerais bien la faire proprement, en fait. Non, parce que depuis tout à l'heure, voilà. Du coup, je suis sorti du truc. Faut que je me remette dedans. Bon, désolé YouTube, hein. Il y a encore des gens dissidents qui comprennent pas. Bon, ça dit, en parlant de YouTube, streamer sur YouTube, ça me manque pas. Par contre, je suis pris en crêpe, là, c'est terrible. Ah, parce que streamer sur YouTube, ça, par contre, c'est un enfer. En termes de lisibilité et justement d'inflexion perma au niveau de l'audimat, ça, j'avoue, Twitch, là-dessus, c'est quand même un peu plus quali. Là, j'ai des poils de chat partout dans le pif. Quel enfer. D'accord. Bah écoute, si j'ai le temps, j'y manquerai pas.
Et bonne soirée à Wellman, du coup. Je suis un fou, j'ai lu les commentaires en même temps. Mais bon, je vous avoue que je fais ça normalement, en temps normal. Bon là, c'est vrai que ces temps-ci, j'étais à la ramasse et du coup, je me suis accordé 2 semaines de repos. Mais bon, normalement, je fais ça... Putain ! Voilà, super. Normalement, je fais ça à peu près entre 8 à 12 heures par jour, sans compter le traitement des VOD derrière. Donc, j'ai rarement le temps de prendre du temps pour moi, en fait. Oui, en plus, bon, voilà. Mine de rien, je commence à être un vieux monsieur. Je suis marié. Et même pour ma femme, j'ai du mal à prendre du temps. C'est pas bien. Mais heureusement, elle est compréhensible. Compréhensible. Bon, sinon je serais pas marié à elle, hein. Clairement. Bon, de toute façon, temps du tour invalide. Donc qu'est-ce qu'on en pense du temps du tour? On s'en fout un peu. Non mais voilà, hein. Après voilà, toutes ces décisions-là, pour en revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ces décisions-là, c'est quand même mûrement réfléchi après... des expériences positives et négatives. Et quand je vois que je fais ça comme si c'était mon boulot alors que ça ne l'est pas et que je gagne rien, bah j'ai pas envie de me prendre la tête quoi. Mais bon, en tout cas, première course validée. Et oui, et du coup, bonne nuit. Bonne nuit. Ah bah désolé, hein, je loupe la moitié de vos commentaires parce que je pilote. Il faut optimiser ce charisme. Mais le jeu est vraiment très très cool. Voilà. Alors désolé hein, si je sape un peu le plaisir de tout chacun à évoquer une énième fois mes restrictions d'accès à mon chat. Terminé sur le podium pour une manche. Mais c'est pas fait déjà? Marqué 15 points dans ce championnat. Non mais c'est bon, on fait premier, c'est bon, on a l'XP. Et ben en tout cas, je ne suis pas déçu de cette petite Mitsu. Fidèle allié dans la plupart des jeux de course. Et il est quelle heure? Il est bientôt 2h. Bon, est-ce qu'on se dit qu'on fait cette course-là et qu'on s'arrête là? Je pense. Oui. On va faire ça. Et on jouera plus sérieusement, je l'espère, demain. Enfin, du coup, aujourd'hui. Je dis ça pour le stream. Hein. Pour les VOD, il y aura un petit décalage de 2-3 jours, je pense, avec les VOD. Oui. Donc la première VOD, c'est samedi. Je dis pas de conneries. Donc là, est-ce que si admettons je chie dans la colle et que je recommence, est-ce que du coup ça me nique tout le championnat? Parce qu'il y a des jeux putes comme ça. Je crois que Project Cars 1 c'était comme ça. Quand c'était en plusieurs étapes, on pouvait pas recommencer, sinon c'était baisé.
Bon, on va essayer de pas chier. Tout simplement. On se demande ce qu'il fout là, lui, avec sa Mustang. Hein. C'est une Mustang, hein. Une Camaro, je ne sais pas. Je suis très nul en voiture américaine. Bon, je sais reconnaître une Dodge d'une Mustang. C'est déjà pas mal. Non mais c'est chiant! Non mais la Honda Civic, du coup, je suis très curieux de savoir comment elle est pilotable. Parce que je crois qu'en plus, la première bagnole que j'avais achetée dans Project Cars 1, c'était la Honda Civic. Bah c'est pas vraiment acheté, parce que dans Project Cars 1, ça fonctionnait complètement différemment. C'était sous contrat de classe de véhicule. What? D'accord, il pleut. Mais c'est instantané, quoi. En sachant qu'on est dans les canyons. Donc c'est quand même pas anodin. Ah oui, donc là, du coup, au niveau du freinage, ça va se ressentir. Ça va se savoir. Mais quel connard! Oh bah... Pff. Bah d'accord. Bon bah si on fait deuxième c'est pas grave. Il faut faire deuxième quoi. J'attaque un peu sec. Oh j'ai fait de la merde. Jamais je pourrais le rattraper. Oh je suis deg. Est-ce que vous pensez que je peux le rattraper? J'ai un doute. Hein. Non mais là il me dit de freiner mais c'est une connerie. Non mais là c'est... Oh c'est l'arrivée. Oh je suis deg. Je suis deg. You did it, your first career championship. Congratulations mate, top job. Et je suis premier? Ou alors c'est égalité? Je suis premier. Quoi? Quoi? On le refait. Hein? Ah non, j'ai gagné le championnat. C'est bon. De 3 points. Quel enfer. Putain, j'ai fait deuxième, je suis deg, j'ai presque envie de le recommencer. Argenterie, comment ça? J'espère que je vais pas me faire striker par les musiques. Hein. Bon, j'ai eu toutes les XP. Qu'est-ce qu'on en pense de ce finish deuxième? Oui, 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 oui. Bon, du coup, on a tout fait là. Je dis pas de conneries. Là, je suis hypé. J'ai envie de continuer à jouer au jeu. Mais bon, en même temps, on a fait. Voilà, la piste E classique, c'est validé. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire. Bon, et du coup, on se dit que pour la prochaine fois, on se fait ça. Ah, je suis hypé quand même. Hein. Alors, je pense qu'on va faire une session. On va brancher la console de ma femme à l'ordi et tout pour le stream, la capture et tout ça. Où elle va découvrir le jeu. Pour que vous compreniez à quel point elle est complètement fraîche sur les jeux de bagnole. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, on me dit ouais, non, mais t'exagères peut-être. Non. Non. Parce que le pire, c'est qu'elle gère à Mario Kart. Mais tous les autres jeux de bagnole, même GTA. Où il faut juste prendre une voiture et conduire d'un point A à un point B, on la perd. Même si elle est toute seule sur la route, que la route est large de 20 mètres, non, c'est mort. Et c'est assez terrible.
Mais bref, je pense qu'on fera ça d'ailleurs. Faut voir. Parce que du coup, pour le multi, il y a peut-être pas eu le patch multi encore en fait. Est-ce qu'on peut sortir de tout ça? Mais si, il y a le multi, il y a tout. ATH. Audio. Portée dynamique. Ah, j'ai mis en TV. Casque, hi-fi. Non, mais TV, c'est bien. Pour la plupart des gens qui regardent, c'est bien. Puis la portée dynamique TV, généralement, en casque, ça rend pas trop dégueu, ça va. Alors que l'inverse, c'est l'enfer. Non, mais ok, très bien. Eh ben, c'était bien cool. Bon, alors, désolé, hein, encore une fois, hein, pour... ce petit blabla soutenu hein, qui est un peu répétitif parce que mine de rien c'est pas la première fois qu'on a cette conversation. Mais bon hein, si vous regardez ces VOD là si vous venez sur ce stream là régulièrement bon, vous êtes habitués quoi. Mais c'était cool. C'était vraiment très cool. On a fait du coup une début de micro session, premier épisode où du coup on a fait la première course plus tentative de personnalisation qu'on a réussi, mais de manière complètement détournée, du coup, pour cette deuxième VOD. Et en vrai, c'était bien sympa. J'ai hâte, en fait. Là, vraiment, si je m'écoutais, on continuera à jouer. Et je me ferai un gros kiff. Mais je vais m'abstenir. En plus, je dois me lever ce matin. Normalement, je dois recevoir un aspirateur. Oui, parce que mon aspirateur m'a lâché il y a 3-4 jours. Donc forcément, j'ai commandé un aspi. Et il arrive, là, ce matin. Sauf que généralement, je m'endors entre 6 et 8 heures du matin. Je vais passer un super week-end. C'est ça que j'essaie de vous dire. Mais enfin bref, des bisous YouTube. Et à très vite. Parce que oui, on va poncer ce jeu, j'ai l'impression. Des bisous.